Je m'appelle Rex, et ma place n'est pas dans une cage. Je suis le corgi de la reine. Ah ouais? C'est le prince Philippe qui m'a offert à sa majesté. Bon, j'admets que je n'ai pas toujours été un enfant facile. J'ai toujours été le chien préféré de la reine. Je suis tellement populaire que sa majesté a fait mettre mon portrait sur un mug. Des coques de téléphone. Une balayette pour toilette. Si t'es vraiment celui que tu dis que tu es, comment t'as atterri ici? J'ai fait une très grosse bêtise. J'ai mordu le président. Je crois bien que ceci est à vous. Et je me suis enfui. Je suis mort. Pauvre Charlie. Rex était ton meilleur ami. Une fois que je serai le nouveau numéro 1, il va y avoir du changement dans la maison. J'exige que vous détourniez le regard, comme ceci. Charlie a tout manigancé et maintenant c'est lui qui va devenir le numéro 1. Ramenez-moi au palais de Buckingham. T'as aucune chance, mon pote. Oublie, c'est la nana de Tyson. Je suis mort. T'as la meilleure équipe de coach. Te souviens-tu de ce vieux film, Rocky? C'est l'outsider qui gagne à la fin. Rocky a perdu, Bernard. Même dans Rocky 2. Comme le dit le proverbe, l'union fait la force. Ensemble, nous serons libres. Bravo! Tu es partant? Ah non, non. Mais ton discours était super, hein?